Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'essayer une DS3 E-Tense. Alors comme vous le savez, hein, DS c'est la gamme premium de Stellantis maintenant avec la DS3 qui est celle-là, E-Tense, c'est la full électrique. Vous avez aussi la DS4 en hybride rechargeable, la DS7 et la DS9. Et DS prévoit en 2024 d'avoir toute sa série de DS en full électrique. Donc il y a clairement une volonté de Stellantis là, de passer pour sa gamme premium en full électrique. Et donc j'ai l'opportunité d'essayer cette voiture. Donc vous connaissez un peu la base technique, hein. C'est une DS Performance Line, celle-ci, avec là en avant vous avez un bel effet noir sur la calandre avant. Là, l'aspect extérieur est plutôt sympa, je dois dire, c'est très très futuriste, avec des belles jantes également, avec des pneus en 18 pouces s'il vous plaît. L'intérieur, on va s'y intéresser un peu plus tard. Après, c'est la base technique Peugeot, hein. Une batterie de 50 kWh, 136 chevaux, donc une voiture de 4,11 m de long, plutôt urbaine, clairement pas faite pour de l'autoroute. On parlera de l'autonomie un peu plus tard, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est l'agrément au quotidien, notamment le confort et sortir un peu, hein, des Tesla, hein. Je me diversifie comme vous voyez, je pense que c'est c'est aussi intéressant pour vous d'avoir un aperçu de tous les véhicules, pas tous, quelques véhicules qui sont sur le marché, pouvoir faire, là clairement on peut pas comparer à Tesla, mais dans ce segment c'est comme intéressant de voir ce que propose DS. Donc écoutez, on va regarder maintenant l'intérieur. Alors ça change de Tesla, hein. C'est particulier, on va dire. Vous avez pas mal de boutons avec ces touches un peu noir satiné, un peu style diamant là, tout l'intérieur. Vous avez le pommeau de vitesse ici, un bel écran central, donc il faudra que j'essaye de faire marcher, que je ne connais pas pour l'instant. Bon, c'est le système Peugeot ça, Citroën. Vous avez l'affichage tête haute, l'affichage des informations capitales dont la vitesse juste derrière l'écran. La finition est plutôt correcte, vous avez ce velours sur la planche de bord et aussi sur les portes. Par contre, les bas de porte ici sont en plastique, donc c'est une voiture quand même qui au départ coûte plus de 45 000 euros, hein, celle-ci, hein. Vous avez aussi, regardez, les portes, les poignées de porte qui sortent toutes seules quand vous approchez de la voiture ou vous appuyez dessus pour les ouvrir quand vous êtes à côté. On va aller de l'autre côté pour voir un peu les places extérieures et arrière, pardon. Hop, voyez, voilà. Donc évidemment, hein, c'est une citadine, 4,11 m. Vous n'avez pas un espace phénoménal à l'arrière. Je m'assois derrière, vous voyez là. Bon, au niveau de la tête, j'ai pas de problème. L'assise est plutôt confortable. Bon, c'est que deux places, hein. La place au milieu est toute petite, même si vous avez une ceinture pour le troisième passager. Voilà, c'est une voiture citadine 4,11 m, donc évidemment au niveau des places arrière c'est plutôt limité. On se sent un poil engoncé quand même. La visibilité arrière, on peut regarder, bon ben c'est quasiment inexistant, donc là la caméra de recul doit être bien utile. Mais l'aspect de finition, écoutez, et pas trop mal. Alors là vous avez une toute petite fenêtre teintée, avec ici encore du plastique, ça c'est un peu dommage. Donc on va dire que voilà, c'est un style particulier qui notamment sur la D7 devait plaire, on va dire, aux Chinois. Mais vous voyez quand même l'extérieur, voilà, c'est assez moderne. Alors c'est parti, il me reste 94 km d'autonomie, donc j'appuie sur le commodo ici, le levier de vitesse.
On va essayer d'enlever le parking. Hop. Alors ça commence bien, j'arrive pas à démarrer. Frein de parking desserré. Alors pourquoi j'arrive pas à démarrer? C'est une bonne question. Hop, là, j'ai bien la clé avec moi. Et je ne peux pas démarrer. Alors, Start Engine. Ah, pardon, il y a un bouton ici. Ah, voilà. Ça y est, c'est mieux. Ah, j'ai le l'affichage tête haute qui se met automatiquement. C'est plutôt sympa. Ça y est, mode drive. Écoutez, vous voyez, quand on sort d'une Tesla, c'est toujours compliqué. Je pensais que c'était automatique, mais là non, il faut appuyer sur le bouton Start Engine. Je pense que c'est parce que ça faisait longtemps que j'étais pas dans la voiture. Alors là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que les poignées de porte sont encore ouvertes. Donc, on va voir, j'espère qu'elles vont se fermer quand je vais partir. Autrement, je vais avoir un problème. Ça y est, elles se sont fermées. Et là, on est parti. On va faire demi-tour. Hop! On est parti, regardez. Alors là, le rayon de braquage, hein, est fabuleux par contre par rapport à mon modèle Y. 14, 17, il me reste 92. Alors par contre, l'autonomie, hein, on en reparlera après. C'est pas le grand grand côté positif de cette voiture. Donc je vais essayer de changer un peu réglage climatisation. J'aimerais surtout mettre le GPS. Alors, il doit y avoir un moyen de le mettre, mais honnêtement, voilà, ça y est, j'ai appuyé ici, hop, voilà. Vous avez les touches en fait. Alors, c'est plutôt doux. Alors, évidemment, vous savez que moi, je m'intéresse aussi beaucoup au confort. Et là, j'ai un feu rouge. Alors, le freinage référentiel natif n'a rien à voir avec mon modèle Y. Alors, il y a probablement peut-être un moyen de le régler, mais là, franchement, c'est beaucoup, beaucoup moins fort. Il faut que je règle aussi le rétroviseur. Voilà, moi je suis plutôt bien assis. Cette fois, j'ai reculé mon siège. Alors, évidemment, il doit y avoir le régulateur de vitesse comme sur les Peugeot, hein. Vitesse trop faible. Donc là, je peux pas le mettre. On va rouler. Il y a les lectures des panneaux. Alors là, il me met 20 km/h. Je pense que c'est plutôt 40, mais on va rouler plutôt tranquillement. Plus, c'est pas ma voiture, donc on va pas faire de bêtises, hein. Mais évidemment, comme toute voiture électrique, c'est silencieux. Là, la direction est plutôt assez directe, plus ferme que dans le IONIQ 5. Là, vous voyez, je suis dans une zone 30 km/h. J'ai bien marqué 30 km/h sur l'écran. Et évidemment, là, la suspension, ben, comment dire, il n'y a pas photo, hein. C'est beaucoup plus confortable, je peux vous le dire déjà, là, en passant sur les plaque d'égout que mon modèle Y. Alors par contre, évidemment, le freinage régénératif n'a strictement rien à voir. J'ai l'impression que je suis quasiment en roue libre. Hop, le rayon de braquage également n'a rien à voir, mais c'est très confortable. Évidemment, c'est silencieux, donc on a une belle vue. Là, je suis content d'avoir une voiture pas trop large là pour pouvoir passer avec la voiture en face. L'écran tête haute est plutôt sympa, puisque là j'ai même l'affichage du régulateur. Là, il me dit que ça y est, que je suis sorti de la limitation à 30 km/h. Hop, vitesse trop faible. Alors, je sais pas pourquoi, à partir de quelle vitesse on peut mettre le régulateur. Régulateur actif, ça y est. Là, je l'ai mis à 44, c'est limité à 50, et là on va passer à 30 bientôt. Voilà. Voilà, je suis à 88 km. Vous voyez, j'ai même pas fait 2 km, 3 km, que j'ai perdu 4 km d'autonomie. Ouf, ça fait un peu bizarre. Alors, j'ai aussi les. Voilà, là, on passe sur un Dodan. Alors, c'est ferme, mais franchement, voilà, ça amortit quand même mieux que mon modèle Y. Il n'y a pas photo. Pourtant, ce n'est pas des suspensions high-tech, hein, sur cette voiture. Alors, évidemment, je ne vais pas pouvoir faire un gros essai de cette voiture, mais là, on va rouler à 80 km/h en sortant. Voilà, on va accélérer un peu. Voilà, hop, je suis à 80. Bon, ça fonctionne pas mal, mais évidemment, hein, ça n'a rien à voir avec mon modèle Y ou même une SR+. Là, j'ai le régulateur actif à 76. On va se mettre à 80.
J'ai le maintien, l'alerte de maintien dans la voie également, qui est actif a priori. Donc là, je pense que, vous voyez, ça ne tient pas la ligne, mais hop, là, j'ai diminué à 50 km/h. Hop. Mais c'est plutôt agréable. Hein. Alors, la propriétaire de cette voiture, en fait, fait pas mal de kilomètres par jour, hein, puisqu'elle va jusqu'à Strasbourg, elle revient. Et elle est donnée pour 320 km WLTP avec sa batterie de 50 kWh. Elle a fait plus de 13 000 km, c'est un leasing. Et au départ, elle pouvait faire l'aller-retour sans problème, puisqu'il y a à peu près 140 km, un peu moins. Mais comme elle a pas mal d'autoroutes, si vous regardez, je mettrai ça dans la vidéo aussi. Elle a fait on peut faire des simulations hein, sur le site de Citroën pour l'autonomie de la voiture. Si vous roulez à 130 avec cette voiture, vous n'avez à 20 degrés extérieur, vous n'avez plus que 130-140 km d'autonomie, ce qui commence à faire juste, vraiment juste. Donc, c'est une claire limitation de cette voiture qui coûte neuve maintenant 37 000 euros. Celle-là a coûté un peu moins de 45 000 sans le bonus non déduit. Donc, elle a quand même perdu suite à une mise à jour de la voiture en autonomie, en tout cas par rapport à l'autonomie annoncée de la voiture. Vous voyez là, par contre, là, l'autonomie baisse moins. Je suis à 86 km. J'ai le mode break. C'est loin d'être extraordinaire, hein, mais ça freine un peu plus fort. Mais c'est nettement inférieur à celui que j'ai pu expérimenter évidemment sur mon modèle Y ou dans la Ioniq 5 et je suis à 84 km d'autonomie. Donc voilà, là oui, ça freine un peu plus. Je vois la jauge là qui me dit que je recharge un peu. Hop, attention. Voilà. Bon, on va sortir de la zone à 30, on va faire attention, voilà. Allez, on va monter jusqu'à 80. Bon, ça accélère quand même pas mal. On sent les 130 chevaux jusqu'à 80 km/h. Écoutez, il y a une bonne petite poussée. Bon, c'est rien d'extraordinaire, mais ça marche nettement. Par exemple, ça marche mieux, je pense, que mon Scénic hein, de 130 chevaux quand j'accélère. Évidemment, si je rétrograde et que je me passe en deuxième, ça va peut-être marcher aussi bien. Mais alors, je vais devoir faire hurler le moteur. Là, c'est tout en souplesse. On va remettre le régulateur actif. Voilà, hop. Alors, le maintien dans la voie, là, c'est pas vraiment un maintien dans la voie, hein. C'est un avertisseur de franchissement de ligne. J'ai vu des modèles à 47 000 euros de ce DS3 E-Tense. Alors là, on a un feu rouge, c'est bien, je vais pouvoir accélérer, voir un peu ce que ça donne au démarrage. Allez, c'est parti. Bon, ça part pas. Ah, voilà, à partir de 30 km/h, voilà, j'ai une bonne petite accélération, on va dire, à partir de 30 km/h. Donc en ville, ça suffit largement, ça s'arrache pas au feu rouge, mais. Ça démarre quand même nettement plus vite que n'importe quelle voiture thermique en usage classique, on va dire. Voilà, je vais pouvoir me mettre à 70. Donc voilà, pour un usage route, on va dire urbain voire routier, en n'ayant pas trop de kilomètres à faire, on va te mettre à 70. Voilà. Écoutez, ça peut le faire, mais là, comme je vous dis, la propriétaire de cette voiture, eh ben, si elle arrive à faire ses 140-150 km dans la journée, c'est pas beaucoup plus, donc c'est quand même limité. Et là, vous voyez, je suis à 70, la consommation est autour de... Alors, ça n'arrête pas de bouger, c'est quand même énervant cette consommation, autour de 12 à 13, 14, 15 watt-heure au kilomètre. Ah là, j'ai l'alternateur, voilà, 16, 13. Donc, on imagine bien qu'à 130, ça doit être quand même un peu particulier. En termes de consommation, on doit largement dépasser les 20 kWh au 100 km, malheureusement. Donc, vous imaginez, d'ailleurs, ça les donnait à 140 km à 130. C'est-à-dire que vous êtes plus proche des 30 kWh au 100 km. C'est vraiment pas fait pour ça. Donc, j'espère que la nouvelle génération... Alors, il y a une nouvelle DS3 remaniée hein, au niveau du style qui va sortir fin 2022. Est-ce qu'ils vont profiter pour avoir un nouveau pack batterie dessus, des moteurs, un moteur électrique plus efficient? Pourquoi pas? Mais c'est vrai que voilà, c'est le rapport prix-efficience. Il y a quand même beaucoup de choses à dire. Alors, elle a déjà fait faire une revision hein, sur cette voiture à 12 000
kilomètres, parce qu'en plus vous avez des révisions, que par exemple nous sur la modèle 3 ou modèle Y, c'est au bout de 2 ans, c'est recommandé, mais c'est même pas obligatoire, si ce n'est pour vérifier, changer peut-être le liquide de frein, mais là c'est au bout de 12 000 km, elle avait une révision. Et comment dire, on peut dire aussi que pour l'instant, bah, voilà, les garages Citroën ne sont pas, on va dire, tous formés à l'entretien d'un véhicule électrique, malheureusement. Donc, alors, elle l'a pris, alors je suis un peu dur avec cette voiture, mais elle l'a pris en leasing, ce qui fait que de toute façon, le gros intérêt, c'est que l'investissement, elle la redonnera quand le leasing sera fini. Elle économise tous les jours, puisqu'elle fait au moins 100 km par jour, bah, l'essence. Hein. Donc, elle va faire des économies comme elle aurait fait avec une Zoé. C'est juste que l'agrément est bien quand même. Alors, le confort est quand même vraiment très bon dans cette voiture. La présentation est probablement aussi meilleure qu'une Zoé. Mais juste l'agrément d'usage en termes d'autonomie qui est vraiment quand même limité. Vraiment limité dès que vous voulez faire de la route sur autoroute, même à 110. Ce qu'elle disait aussi, hein, c'est qu'avant, elle pouvait faire le trajet aller-retour sans se soucier de la limitation de vitesse. C'est-à-dire qu'elle pouvait rouler à 130 quand c'était 130, ou 110 quand c'était 110. Là, maintenant, elle est obligée de recharger au travail pour être tranquille pour le retour, ce qui n'était pas le cas. Donc elle a quand même perdu pas mal d'autonomie en 12 000 km suite à la mise à jour. Donc ça, voilà, donc maintenant je vais vous montrer quand même l'intérieur de la voiture un peu plus en détail. Donc là vous avez le système pour démarrer la voiture, ici vous avez le système donc pour passer en drive, parking, marche arrière neutre, le parking en plus ici qui m'avait posé souci tout à l'heure, ici les touches diamants avec la fermeture centralisée plus les vitres électriques, le drive mode ici, les touches pour la climatisation, le téléphone, le warning, toujours bon à savoir, les touches ici, ça c'est pas mal pour le dégivrage, la fonction avec des touches ici tactiles pour l'autoradio. Et je vous montre un peu plus l'intérieur de la voiture, voilà, qui est, ben écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt qualitatif par rapport à une Citroën classique, on va dire. Donc l'intérieur, voilà, c'est très confortable. Donc ben écoutez, j'espère que cette petite essai vous a plu. Moi je suis un peu mitigé évidemment par rapport au prix de la voiture, les prestations, que ce soit en autonomie surtout, et même les performances, les reprises, etc. Vous avez mieux, hein, sur le marché, c'est clair, avec une taille un peu plus grande, par exemple une ID3. Mais c'est une voiture très agréable à conduire, donc je pense que vous roulez zen, là, vous n'avez pas de soucis, il faut juste faire vraiment attention à l'autonomie. En tout cas, je voulais remercier la propriétaire qui m'a prêté sa voiture, franchement, c'est vraiment très gentil. Toujours agréable d'essayer d'autres voitures électriques. Et puis bientôt, je vais pouvoir essayer, j'espère, la Honda i. Et en novembre, j'essaierai la fameuse Volkswagen ID3 avec un essai plus en détail, puisque là, on sera quand même beaucoup plus au niveau de l'autonomie, de voir ce que ça donne. Parce que là, évidemment, comme j'ai dit, cette voiture-là, c'est pas fait pour traverser la France. L'ID3, en théorie, c'est fait pour traverser la France, voire l'Europe, hein, avec les superchargeurs. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.